Alors ben, -t -t le soir de ce matin parachahre acharemot -e Rabbi Shimon ava medake touré shuked tveria et kol man daava taman mit ava salik le medakeh dikhtev tana vetavet damu Rabbi Shimon il purifiait, il purifiait le chouk de Tiberias comment il purifiait le chouk de Tiberias il disait de de paroles et tout celui qui a été enterré à Téberia et qu'il qu était il était impur ou non juif ou n'importe quoi son tombeau remontait sur la terre et comme si la terre le rejetait la terre le rejet, le, 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 le voulait pas comme ça Rabbi Shomba Yochai, il purifiait Téberia que tu as le droit d'être euh, enterré à Téberia rien que si tu as du mérite alors il dit Rabbi Chia c'est ça qui dit le verset en Yov Rabbi de là on comprend qu'est-ce qu'il dit, euh, qu'est-ce qu'il dit le prophète Jérémie, il dit qu'à Kosh va attraper le coin de la terre, il va le secouer. Secouer de quoi Il dit c'est comme un talit, quand elle est sale, tu attrapes le coin, et tu secoues le talit, et toute la saleté tombe, il dit à la fin de temps, a cause, la terre d'Israël, qui veut dire, tout celui qui est enterré en Israël et qui mérite pas d'être enterré en Israël sera rejeté de la terre d'Israël. Okay? Il dit ici, par exemple, les gens qui sont pas pas juifs, hein? les gens qui, qui qui ont fauté dans leur vie, oui, et qui ont pas mérité d'être enterrés. Là-bas, le euh, rabbi Oda Hassid rapporte qu'il y avait un, Hassid, un, un homme pieux, un sadique qui venait dans le rêve de leurs de leur ses enfants. Il leur disait, me derange, me derange, me il me dérange, il me dérange, il me dérange. Mais il disait pas, il dit toujours un le mot, il me dérange, il me dérange. Alors ils ont, ils ont demandé un rabbin, qu'est-ce que ça veut dire Il leur a dit, ça veut dire qu'à côté de lui, il y a quelqu'un quelqu qui est enterré, qui le dérange. Et effectivement, ils ont trouvé que la personne qui était enterrée à côté de lui, c'était un rachat. Et c'est pour ça qu'il est redérangé. Pour te dire, ne pense pas qu'il est mort. Il dérange même dans la tombe. Mais son âme n'est plus là. Ouais. Non, son âme il est sur la tombe. Non, parce qu'il qu vient, il vient dans le R.E.R.E.R.O.S.Rodèche. Il vient veille de fête. C'est sa maison. Sur terre. Alors il est dérangé par le voisin. Il est dérangé par le voisin. Alors c'est pour ça que c'est écrit, c'est interdit d'enterrer un rachat à côté d'un sadique. Okay et c'est pour ça que dans le cimetière au Maroc ou même dans de, en Israël, des fois, ils ont des places spéciales pour les gens que qu'ils qu ont fait dont leur vie n'était pas bien. Alors il dit Rabbi Chia qui à prendra la terre d'Israël, il les secourra et tout celui qui mérite pas être sur la terre d'Israël sera rejeté de la terre. Comme Rabbi Shimon Yochai... A purifier dans son vivant le choukim de Tveria, le chouk et le le, le 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 terrain de Tveria, Ken? Pourquoi Parce qu'il disait Tana, Ketiv va va et vous venez purifier mon pays. Pourquoi vous venez sur la terre sainte, on appelle Ersa pourquoi vous venez impurifier purifier ce pays C'est pas à vous à venir à purifier le pays. Alors il dit ici... Si, Dirabiuda, Zakaa, Cholake, Mandezakhib, ma Lemishre, Madora, Barakadisha. Heureux celui qui peut venir habiter en Israël dans son vivant. Au moins tu as, tu as le mérite d'habiter sur la terre d'Israël. Et si tu décèdes là-bas, tu as le mérite aussi d'être enterré là-bas. Tant que tu étais dans le, le bon chemin et tout ça, alors tu auras le srout. Pas après la mort, tu viens être enterré en Israël c'est pas, c pas un caveau dans Israël non plus. Va habiter, okay? Va habiter là-bas, et tu, tu, auras le mérite de, d'être enterré là-bas. Mais aussi si, mais aussi si tu, si tu, tu là-bas, il faut que tu te conduis selon le règne de la Torah pour avoir le mérite d'y rester. C'est pas rien qu'être enterré, c'est d'y rester à la fin de temps. Okay? Parce que ma qu'est-ce qui va venir? Le Mashiach, qui va venir, c'est écrit, il va taper sur tout le tombe. Et il dit: mm -hmm. réveillez-vous tous, réveillez-vous et lèvez-vous de vos tombes. Okay? Alors, ils, ils disent que voilà, ils, tu, il faut il faut que tu sois sadique. Alors, il dit ici voilà, zakaa man zakhil <muché> et kashra c'est lui qui a le mérite de se connecter dans son vivant a <muché> kadisha dans cette terre sainte, zakhil et kadisha ba'ar a kadisha il aura le mérite de se connecter dans la terre sainte qui est Israël et dans la terre sainte du Olam Abba, qui est le Gan Eden. Pour dire combien c'est important. Okay? d'avoir une place en Israël et essayer d'aller vivre en Israël au moins ta retraite tu veux pas ne pense pas que Israël c'est quelque chose de facile c'est très dur au niveau de la parnassa au niveau de la mentalité il y a beaucoup de choses qui sont dures en Israël mais tu t'habitues comme n'importe quoi okay? la seule chose il faut vouloir d'y habiter il faut vouloir d'y arriver okay? et quand tu arrives tu commences à nager comme tout le monde tu nages ça? Alors tout le monde veut Jérusalem, et si tu n'arrives pas à Jérusalem, va à côté, Eris Israël, toute la terre est sainte. Va te va va Tzva, toute la terre est sainte. Oui. Alors il dit ici, il dit ici que si tu as le mérite de te connecter en Israël, connecte toi dans ton vivant. Connecte-toi quand tu peux, quand ils vont. Pas après un cercueil qui arrive en Israël, tu n'as rien fait. OK, c'était une route d'être entré en Israël, c'était une route. Mais il faut avoir aussi le mérite, Ken, de, de, de vivre sur la terre saine. Bon Adonai l'âme Amen. Amen.